PC va les niquer du PNJ. La PC elle est trop chaud là, j'active le speed boost, c'est pour ça que je vais hyper vite. Oh là là, ça va être violent avec la PC et tout. Oh my god. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous pétez la forme. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre et vous le voyez sur les images, la méga rampe est de retour. Et cette fois-ci, on va utiliser les nouveaux véhicules du DLC Trafic d'armes pour descendre cette méga rampe. Et histoire que ce soit un petit peu plus drôle et un petit peu plus cool, nous allons mettre des PNJ à la fin de cette rampe pour voir quel est le véhicule qui va en détruire et qui va en tuer le plus. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle, et à me donner d'autres idées de tests à faire dans l'espace commentaire, et à me rajouter bien évidemment sur Snapchat, le lien est dans la description. Écoutez, on va commencer tout de suite, on va pas perdre plus de temps. Hop là, je vais me téléporter directement en haut. Écoutez, on va commencer avec un mince, attendez, j'ai oublié de mettre les PNJ en bas. On va commencer avec, comme on a fait hier, on va faire à peu près dans le même ordre. On va faire avec le Dune d'abord, on va faire avec le nouveau buggy. On va faire ça tranquillement avec le nouveau buggy. En haut, j'ai déjà placé les PNJ qui sont tout en bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre directement le Dune. Normalement, c'est dans les off-road. Voilà, le Dune Fav qui est juste ici. C'est parti, on va le customiser à fond comme d'habitude. Auto-upgrade et c'est parti les amis. Nous allons descendre cette méga rampe avec le Dune. On va se mettre en première personne. Ouh là là, attendez, attendez, ça devient déjà un peu compliqué avec la première personne. Essaye de rester droit, le Dune. Non, non. Attendez, j'ai été éjecté. J'ai été éjecté, non! Attends, on va remonter avec notre petit ami Franklin. On va reprendre le Dune. Oh, mais je suis éjecté trop facilement du Dune, c'est ça le problème. Le problème, c'est que sur GTA 5 PC, on peut être expulsé des véhicules. Sur GTA Online, c'est pas possible. Et bah, c'est assez relou en fait. Donc j'espère vraiment que je vais pas avoir trop de problèmes. On est reparti, une menu custom. Alors, on va descendre tout douce. Oula, ah regardez, ça commence déjà. Ah, je touche même pas la rampe. Ça commence déjà très très mal. Je ne touche même pas la rampe. Je peux même pas toucher la rampe. Ah, quand je vais la toucher, ça va percuter. Je vais voler dans tous les sens. Oh mais non, j'arrive pas. On se parle, est-ce que je vais quand même réussir à toucher des PNJ avec le Dune? Peut-être, hein, peut-être. Oh mais oui, peut-être. Non, même pas. Putain, j'ai pas réussi. Ça passe pas avec le Dune. Ça passe pas du tout. Attendez, vous me connaissez, moi j'abandonne jamais. Hein. J'abandonne jamais, on va recommencer. On va faire ça tout doucement. Faut vraiment que je colle la rampe en fait. Faut vraiment que je colle la rampe. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Ah oui, là on est bien. Là on est bien. Non, reste droit, c'est bon. C'est bon, on est bien là. Bon, je vois pas trop ce qui se passe, mais c'est pas grave. Ah oui, on est bien là. Oh, avec le petit Dune, on est bien. On est bien, c'est parti. C'est parti, les amis, allons-y, let's go. On va descendre cette rampe et on va aller tuer du PNJ. J'essaye même un peu de mettre le boost histoire d'aller un tout petit peu plus vite. Oh non. Oh, la déception. Mais non. Mais j'ai été arrêté par la rampe. C'est n'importe quoi. Bon, écoutez, les amis, je vais pas recommencer avec le Dune parce que ça fait un petit peu trop de fois. Ok, c'est bon, on va faire cette fois-ci avec notre petite amie, la Tempa numéro 2. On va voir si elle en est capable. Normalement, c'est dans les sportifs, si je dis pas de bêtises. Attendez, non, même pas. On va faire ça, hop, Tempa numéro 3. Là, voilà la petite Tempa armée. Bon, c'est pas forcément plus drôle avec ce genre de véhicule. Mais par contre, quand on va s'attaquer avec l'auto-chenille, ou même avec la PC, ou même le centre de commandement sur la fin de la vidéo, moi, je sens que ça va envoyer du pâté lourd, hein. Je sens que ça va envoyer du pâté sec. Allez, mets-toi sur la rampe. Ah ouais.
Bon, cette fois-ci, on va faire ça avec la Tempa. Bon, c'est sûr qu'avec ce genre de véhicule, c'est pas forcément très très drôle. Mais par contre, quand on va s'attaquer tout à l'heure, par exemple, à l'auto-chenille, à l'APC ou même au centre de commandement, ça risque d'être un tout petit peu plus drôle. Par contre, j'arrive pas du tout à coller la rampe avec, avec les véhicules. Ça devient un petit peu chelou. La Tempa qui est en train de nous faire un petit breakdance. Voilà, tranquillou, pépère, posément. Remets-toi sur la piste, tranquillement. Allez, hop. On est reparti, on essaye de la redescendre. Allez, colle-toi. Je suis pas trop fort pour les rampes. Les PNJ sont un petit peu plus doués que moi, j'ai l'impression. Ah, c'est bon, on est bien là. Je vois pas trop ce qui se passe, mais par contre, faut juste rester appuyé sur l'accélérateur. Enfin, je sais même pas si ça sert à quelque chose. Je peux pas voir ce qui se passe devant en première personne, ça donne quoi? Ah bah voilà, c'est parfait comme ça. Oh, oh oui, les PNJ. Les PNJ, vous allez prendre cher. What? Mais qu'est-ce qui m'a arrêté encore? Me dis pas que c'est les PNJ. C'est pas les PNJ qui m'ont arrêté encore une nouvelle fois. Non, si c'est les PNJ, il y a un problème là, il y a un problème dans le pâté. J'étais stoppé net. La voiture, elle a pris trop cher, je sais pas du tout ce qui m'a stoppé parce que j'avais déjà quitté la rampe. What? C'est n'importe quoi. Allez, on est reparti, on va faire cette fois-ci avec notre petit ami la PC. Hop là, on va prendre... véhicule option, véhicule spooner, APC. Voilà, on va faire un petit auto upgrade sur notre petit ami l'APC. Comme ça il ira super vite. Par contre là je suis pas sûr qu'il passe. Du coup ce qu'on va faire c'est que je vais retirer les rampes qui sont là. Hop là, on les retire, on est obligé. Par contre ça va être chaud pour tenir la rampe. Déjà que j'ai un peu de mal là, avec l'aide qu'il y a. Là on va essayer. Allez, colle la rampe, allez, la PC, c'est bon, là, on est bien, on descend tranquillement. Ouais, c'est bon, on est bien, là, avec la PC. Ah oui, c'est génial. Oh, la PC, il va aller niquer du PNJ. La PC, il est trop chaud, là, j'active le speed boost, c'est pour ça que je vais hyper vite. Oh là là, ça va être violent, avec la PC et tout. Oh my god, wow, what? Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai traversé le champ de PNJ comme si c'était normal. Oh, regardez-moi ça. C'est comme si j'avais fait un strike. Oh, mais c'est violent. Les PNJ, ils ont pris grave cher. Par contre, il y a que cette rangée-là de PNJ qui a pris cher. Il y a des PNJ qui ont volé un petit peu partout. Il y a des PNJ qui ont survécu, des PNJ qui sont morts sur le coup. C'était assez violent. Oh, mais la PC, il est excellent. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, les amis? Créer une rampe sur GTA Online et faire en sorte de niquer des personnes en bas de la rampe. Voilà, c'est tout ce qu'il faut vous faire. Alors, bon, écoutez, les PNJ, on va les laisser comme ça. Je vais essayer de viser un petit peu le reste de la rampe juste après. On va cette fois-ci passer à notre petit ami l'auto-chenille. J'espère qu'on va faire à peu près comme le APC. On va réussir à descendre la rampe tranquillement, posément. Hop là, véhicule spooner. Hop là, notre petit l'auto-chenille, normalement il est dans les trucs comme ça, voiture, banalisée, non, camion de pompier, bus, auto-chenille, c'est parti, véhicule menu custom, voilà, hop là, on va supprimer ça parce que ça sert un petit peu à rien, parce que l'auto-chenille ne va pas passer, et c'est parti les amis, nous allons niquer du PNJ avec l'auto-chenille. Par contre j'espère qu'il va un petit peu plus coller à la route lui. Oulala, ça part déjà en cacahuète. Oulala, ça part trop. Oh non, ça part de trop loin là. Non, on va pas réussir. Non, on va pas réussir, attendez. On va se téléporter là-haut. Hop. Voilà, téléportation. On va recommencer avec l'auto-chenille. J'espère que cette fois-ci ça va passer. Si vous avez d'autres idées de tests à faire avec les rampes, etc., dites-le moi. Si vous voulez que je fasse ça avec des véhicules assez what the fuck créés par la communauté aussi, ça peut être sympa. Donc n'hésitez vraiment pas à me le dire dans l'espace commentaire. Allez, descends. Descends, vas-y, oui, tu peux le faire. Ah oui, c'est bon. Oh non. Non, recolle la rampe. Non, mais, ah, mais ça passe pas. Véhicule, faut que j'aille dans le trailer. Hop là, centre de commandement. On va même la custom, voilà, on va faire menu custom, auto upgrade. Voilà, comme ça, on se prend pas la tête, c'est très joli.
Hop là, nous prenons notre petit centre de commandement avec le Phantom Whale. Et les amis, nous allons descendre cette méga rampe. Donc, n'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de pouces bleus, ça ferait extrêmement plaisir. Et c'est parti, qu'est-ce que ça va donner? Quel est le résultat que nous allons obtenir? Je sais pas pourquoi, mais je sens vraiment que ça va partir en cacahuète. Allez, 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 allez. Il a un peu de mal à avancer, je suis obligé d'utiliser un petit peu le speed boost. What? Mais what the fuck? Allez! Allez le camion! Non, pars pas sur le côté! Ne pars pas sur le côté! Non! Oh mais non, mais la remorque, elle m'emporte avec elle, c'est pas possible! Est-ce qu'il va réussir à tomber sur les PNJ? Parce que s'il tombe sur les PNJ, ça risque d'être assez drôle quand même. Vas-y, est-ce que tu vas nous faire un petit truc là? Un petit truc bien sympa, un petit truc bien joli? Vas-y, tombe sur les PNJ, on attend que ça! Allez! Oh oui, il est bien placé! Oh non! Oh non, c'était à quelques centimètres! Oh la déception! Attendez, on va recommencer une dernière fois. Parce que là, avec le centre de commandement, c'est vachement compliqué. Hein. Je vous le dis honnêtement, c'est vachement compliqué. Parce que déjà, qu'avec l'auto-chenille, vous avez vu que c'était assez le bordel. Alors avec le centre de commandement et tout, ça va être du gros n'importe quoi. Regardez, même le centre de commandement, il arrive même pas à rester sur la plateforme. Il part trop en couille. Allez hop! Le fantôme, tu te remets bien tranquillement. Hop, on va supprimer ça. Hop, hop. Allez hop, on est parti pour le dernier petit test. Allez, remets-toi bien. Non, tu pars pas sans ton centre de commandement. Il est détruit? Non, je peux pas le prendre. Ah si, c'est bon. Ok, on est parti. Centre de commandement vs méga rampe. C'est parti, test numéro 2. Attention, attention. On utilise le speed boost. Faudrait que je colle directement la rampe en fait. Allez. Allez! Non, tourne pas! Eh, je vous jure qu'il tourne automatiquement, il tourne tout seul. Ah, peut-être qu'on est bien là. Ah, peut-être qu'on est bien. Faut pas que là. Oh, on aurait pu écraser un avion avec ça. Non, ça passe pas. Ça passe pas, on peut pas descendre la rampe avec le centre de commandement, il est beaucoup trop lourd. Ou alors, il faudrait que je trouve un moyen de pouvoir le coller directement à la rampe sans passer par le saut. Regardez, attendez, peut-être que si je fais ça. Hop. Regardez, si je fais ça, attendez, on va faire un petit truc, on va essayer de faire un truc bien sympa, bien joli. Attention, crise d'épilepsie garantie. Non, va pas là-dedans. Faudra en fait que j'essaye de le coller à la rampe et que je le prenne directement et que je me lance à pleine vitesse. Mais ça m'a l'air un peu tendu en fait. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Il nous fait un breakdance? Oh, il a perdu la remorque. Bon, mais écoutez les amis, malheureusement, je ne peux pas descendre la méga rampe avec le centre de commandement, puisque celui-ci est beaucoup trop lourd. Je suis assez choqué, assez déçu même, je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose, mais malheureusement non. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura fait plaisir quand même. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous n'oubliez pas de me le dire dans l'espace commentaire. Un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle. À me donner d'autres idées de tests à faire dans l'espace commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.